2, 3. Léonidas, tu sais pourquoi cette bonne humeur? Non. Eh bien parce que le VAC a gagné contre Salzbourg ce week-end. Eh oui, tu vois. C'est pour ça que t'as mis ton magnifique... C'est pour ça que j'ai mis mon survêt, hein. D'habitude, je mets juste mon t-shirt. Et là, j'ai rajouté mon survêt pour célébrer cette victoire. Ah, je suis impressionné. Voilà. Alors, mais bon, je sais qu'on ne sommes pas là pour parler résultats sportifs, mais on est pour... là pour parler musique. Présenter les différents artistes qui vont se produire donc au festival Tourner la Meule, 25-26 avril, au Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel. Bien sûr, comme d'habitude. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est Octonaut. C'est un groupe autochtone. Donc, c'est des gens... C'est des gens d'ici, quoi. Huit gens qui viennent d'ici. Voilà, exactement. Mais ils ne font pas que devenir d'ici, ils font encore autre chose. Oui, ils chantent. Ils chantent. Ils chantent, ils font des chants, du chant choral. Ils ont par exemple des madrigaux de la Renaissance. Margot. Ils chantent Margot le... Madrigaux. De où? Elle vient où, Margot? De la Renaissance. C'est pas très loin d'ici. Non. Alors, fais-nous écouter ça. Chacun sa voix comme ça. Ouais, mais surtout c'est vraiment un répertoire assez difficile à chanter. Et puis ils le font vraiment avec une grande élégance, une grande classe. Et puis en tout cas, je serais joué de les écouter, je crois, comme tous les autres groupes. Ils viennent quand déjà? Samedi à 20h, je crois. Le samedi 25 avril à 20h. Est-ce que c'est le samedi 25 avril à 20h ou est-ce que c'est le samedi 20 à 25h? Je pense que ça peut être le 25 à 20h. Ouais, il faut qu'on sorte le samedi. Octonaut. Octonaut. Très bien. À tourner la meule. Voilà.